Stéphane Suzanne, qui est très concentré comme à l'habitude. C'est un jeune à fort potentiel, je pense qu'il percera dans l'avenir. Impressionnant. Je sens, Jean-Bou, vous allez vous mettre à la palade. Je ne sais pas pourquoi. La rentrée, c'est la résolution de l'hiver. D'accord. Quelques petits gestes d'énervement quand même. Ça vous arrive aussi, vous dites ? Jamais. C'est important à toi, c'est d'être un calme olympien. Et oui, ils vont la remettre. Hein. Bonne place dans le dos, ça va se sortir aussi. Merci Christian Jambier, Michel Guerre. Christian, c'est qui Michel Guerre? On va dire que le plus jeune, c'est Michel Guerre. Hein? Yes. Qu'est-ce que j'en dis, vous en pensez quoi? Ça vous arrive de vous faire prendre les vents aussi? Hein? Oh putain, c'est chapelle. T'as remis. Ah, c'est pas semblant. C'est la première fois de ma vie que j'ai joué. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Vous pouvez vous regarder alors? Qu'est-ce que t'en penses? On a l'impression que vous n'apprenez rien. Ouais. Super. Une fois qu'il est habitué à le Ramucho. Faute directe. 7 partout. Organisation de son ami. Un petit énervement pour les Kazakhs. Vous en pensez quoi, Jean-Do? Sûrement. J'en ai aucune idée. Je trouve un peu nerveux. Hein. Oh. Eh ben. Oui, ça. Magnifique le bord de la salle. Oh là là, c'est beau. 8 à 7. Ah oui. Pour Pessac. Pessac Bordeaux, le Bordeaux Pessac. Les derniers. Non. Faut descendre ici, hein. C'est bien. Thank you.
très joli point de rame sur les feuilles. Un petit pic pour des grands effets. 8 parfaits. Encore une égalité. Le joueur a dit, il n'a pas eu de transfert. C'est la condition. C'est la condition. C'est un moment qui fait un peu plus de progrès. On va l'ouvrir très vite. Très joli point. C'est un petit dernier. C'est un genre de lutte, ce détache, ça va être très rapide, je crois. Tiens pour des bleus. Tu fais l'arbitre, tout va bien ? Pour l'instant. Ça se passe bien pour l'instant. Facile à arbitrer. Qui mène 14 à 10 à Montpellier, tu crois que c'est un Français qui mène 14 à 10. Je suis à moitié surpris. Ça donnait quoi, Brive Racing ? 40 à 20. Qui a gagné ? 40 à 20. Qui a gagné à Brive ? 40 à 20. Non, mais à Brive, attends, j'ai l'air gros. Ah ouais, mais à Brive, vous êtes pris, quoi. Tout le monde y a une chanson pour Noël ? Oui, bien sûr. Petit tempo express. Oui, oui, un petit tempo très rapide parce qu'ils ne sont pas encore fatigués, je nomme. L'accent au but. Allez. Oh, il faut direct. Oh, quel dommage quand même. Ah, c'est faux direct. Hein. Heureusement qu'elles sont là, surtout pour les autres. Surtout pour nous, sinon on se fait la demeure. Voilà, n'est-ce pas, M. Pierrot ? L'arrière, il veut le point. Ah, c'est magnifique. Allez.
Le commentateur laisse tomber. Comme l'arrière des Bordeaux. Le micro, s'il y a des pauses, tu fais une pause là et tu reprends en rappel. D'accord, Fanny. Là, t'as repris là ? Ouais, là, c'est bon. Magnifique point de rendez-vous. Extraordinaire, boss. Vous en pensez quoi, Jean-Louis ? Vous n'avez jamais vu le concert ? Non, je ne l'ai jamais vu. Mais. Ça vous fait plaisir quand même. Après, continue un peu. Je sens que Jean-Doux va se mettre à la gomme. C'est prévu, le 10 janvier, l'inauguration. Incroyable. Incroyable. Vous n'allez pas avoir le contrat à Canada. Et on les paye, on peut dire ce qu'on veut. Moi je connais bien, vous avez été en bureau. Magnifique. Extraordinaire point de Patrick Vientedi. J'aurais dit pareil. Ouais, 11 à 13. 11 à 13. Pour sa journée. 14 ans. 11, je m'en. On va dire qu'il y a un petit grain de réussite quand même. Ouais. 12-14. J'aurais pu le savoir, parce qu'il y a tellement souvent à faire des fibus. Je ne sais pas voir quand c'est de la chance. Il y a un peu de réussite. Petit point de colle. Envoyez les sachets. À 12 pour Saint-Jean-de-Luz. Prochaine partie, on fait intérieur soir. Oh, que des courses. De nous faire défoncer. 13. Non, 16 à 12, pardon. Trop d'émotion. Trop d'émotion. J'ai le point de ce genre de lui. Oui. Oui. Alors, il est dehors. Il est une petite jolie. Il est parti pas. Non, bah non. Oh oui. Oh, très joli point de Saint-Jean. 17 à 12. Non. Ok, ça va. Avec un petit peu.
18 à 12 pour son Andalus, encore en direct de l'Axalde. Merde! Andalus qui pense prendre le dessus. Amsalem. Mais c'est dur de faire le point. S'est creusé 10 points maintenant. Sur le direct de la salle. Il est pas. Pardon ? Je pense que 10 points d'écart, ça fait beaucoup maintenant. Non, Jean-Doux ? Connaissant l'équipe luisienne, je pense que ça va être très difficile. Est-ce que c'est une bonne partie ? C'est correct. Il y a des fautes, c'est dommage. Moi,
très en bras aussi, du coup, voilà, mais... Ça, Jonzo, vraiment. Du coup, de Galtier l'Arton, je pense que je peux faire l'Arton. Vous parlez de... Ah, s'ils prennent confiance, ça va être compliqué. Ça monte. Là. Oh, en plus, ils n'ont pas de chance, les Pessac.
On n'a pas de chance en plus. L'écart se creuse inexorablement. 29 à 12. Alors que Simon revient. Oui. Salut, tu auras cette caméra. Allez, 30 à 12. Encore de Pachi Metegui. Je crois que les sacs n'y croient plus. 32 à 12. Ils ont pris 20 points en l'espace de 20 minutes, je pense. Et Stéphane, qui a son habitude de remettre tout. Vraiment tout derrière. Thank you.
dire tout ça, mais... C'est pas le fait. Eh ben. Magnifique entre deux de passion. Ah, comme quoi, après la fois, je te propose aussi de faire Jean-Bourg. C'est du bon bouquet. De l'énergie pour la suite. Ah oui, vraiment, ouais. On sait jamais, on en a vu d'autres. Hein. Après, bon. Voilà. Oui. Il faut direct. 3-15. Ça, je fais les deux parce qu'on va dire que on a pourri les autres du village. Et à la fin, c'est toujours les rouges qui gagnent. Allez, c'est reparti. 34 à 15. 15 ou 14 à 15. Non, 14. 34-15. Il y a un gauche dans un espoir. Aïe, aïe, aïe. 35 points. 20 points d'écart. Mais non. Habitué, on va dire. 16 à 35. Allez, fais ça, barou bon. Oui, oui, oui.
quel point encore. Incroyable. Toujours là, vous la voyez. Un très joli point encore une fois de Saint-Jean-de-Luz. 36 à 16. Toujours ces 20 points qui ne sont pas remontés d'après moi. Jean-Claude, si on a entendu ça a marché, hein, on n'a pas vraiment entendu. Oh, quel finesse en plus. 37 à 16. Bien. J'ai l'impression, Jean-Claude, que nous allons vite être libérés. Oui. On pourra s'entraîner pour l'année prochaine. Exactement. C'est l'objectif numéro 1 au niveau du champ. Je ne me montre pas là. Bien Pachi. Qu'est-ce que encore, quelle défense. Magnifique point de Stéphane Suzanne. Oh, mais Stéphane, quand il joue, on dirait qu'il est à 20 partout, c'est incroyable. Ah, 38 à 16. Très très beau. Ah, c'est la classe même en champion. Allez mesdames, messieurs, je crois qu'on va assister à dernier point certainement à la Nobia. 39 à 13. Ah pardon, pardon, 39 à 16. Déjà qu'ils n'en font pas beaucoup, mais alors là, c'est pas. Autant pour moi, autant pour moi. Non, regarde. Et voilà, victoire. Le score est donné 40 à 16 sur un super bon effort de Stéphane Suzanne. Bravo à eux. On peut dire qu'il n'a pratiquement pas eu de partie. Je suis content. Bon effort, Stéphane. Ovation du public. Il n'y a rien à dire. Le cavalier seul de Ligue 1. Tiens.